Salut YouTube, re-bienvenue sur cette troisième édition du Bingo Phasmo. Le chat est méga chaud, le beat est méga bon. Si tu sais pas ce que c'est le Bingo Phasmo, déjà je te mets les anciens en haut à droite dans les fiches. C'est très simple comme tu le vois, le chat et moi-même, on a chacun une grille de bingo différente. Le but évidemment c'est de le faire le plus vite possible sans non plus tryhard. Ce n'est pas un speedrun, on est là pour rigoler, pour s'amuser, il n'y a rien à gagner. Juste passer un bon moment. Carte de bingo assez sympa, il y a des fantômes, il y a des petits challenges comme la game de moins de 5 minutes. On doit faire évidemment toutes les games en professionnel minimum. On fera peut-être des games en cauchemar, on verra à quel point on avance dans le bingo. Le premier épisode a duré 4 heures, le deuxième épisode a duré 1 heure et demie. Est-ce qu'on peut battre 1 heure et demie? On va voir. En tout cas, on démarre sur une Tanglewood. Tu n'auras pas cette blague si tu n'étais pas évidemment sur le live. Let's go baby. Tangoul quoi. Tangoul. Comment j'ai pu dire Tangoul? C'est la première fois que ça me le fait. Alors. Ah, j'aurais peut-être dû commencer sur une Blizzdale. Je vois que j'ai la Blizzdale. Alors. Au niveau du son, vous me direz si on est bon. Et puis, let's go, baby. Comment tu vas, Zenialas Poli? Tu vas bien? Poli. Eh ben, Poli, c'est très bien. J'ai découvert Phasmo hier avec un ami. Je trouve tes vidéos YouTube. J'adore ta façon. C'est très gentil pour lui, ça me fait plaisir. Installe-toi, bienvenue. Je te remercie, je voulais passer faire un coucou. Ben, c'est très gentil de faire un coucou. Très très gentil. Alors. Ok. On n'a pas d'objet maudit, attends, dans ma grille. Attendez, je regarde ma grille. Est-ce qu'on a la boîte à musique? Malheureusement, on l'a pas. On a juste... Ah si, il nous faut le tarot, puisqu'il nous faut la carte du pendu. Ok. Ok, ok. Ah, mais attendez, on a peut-être le tarot. On n'a pas le tarot. Ah, dommage. Dommage. On a le cercle. Ok. On a le cercle. On a la planque ici. Ok. Alors, j'ai game parfaite. Donc, game parfaite, je vous rappelle, évidemment, c'est tous les objectifs. Les photos remplies. Donc, on peut peut-être essayer de faire la game parfaite dès le début. Il faut que je trouve l'os. On sait jamais si j'ai... Je crois que j'ai crâne et cage thoracique en os, ouais. Let's go. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'os? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Pour l'instant, on n'a rien. Donnez-nous un signe. Alors, j'ai pas vu l'os encore. Ce qui serait parfait, c'est qu'il soit dans la salle de bain, tu vois, histoire qu'il nous active la douche. Alors, il n'y a pas l'os. Là, j'ai lancé en pro parce que c'est le début, tu vois. On n'a même pas fait de game de chauffe, rien du tout, tu vois. Attendez, l'os n'existe pas. The os is a lie. Il est où, ce con? Ouais, le jeu comprend le français, ouais, bien sûr. Il est... Oh putain, me dis pas qu'il va être caché dans un tapis. Me dis pas que le troll de l'os va me coûter la game parfaite. Ah, sur le toit de la bagnole. C'est vrai qu'il peut être sur le toit de la bagnole. Je me suis déjà fait... T'as raison. Oh putain. Oh, il m'a... Putain, il m'a tellement fait peur, ce con. Bon. Ouais, ouais, je vais regarder canapé au-dessus de la voiture. Holy shit. Bon, déjà, c'est pas un fantôme. On a la photo du fantôme. Ouh, je sens bien la game parfaite, là. Let's go. Devant le canapé. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Qui va gagner? Est-ce qu'il sera devant le canapé? Est-ce qu'il sera sur le toit de la voiture? Nope. Ah, saloperie! Bon, malheureusement, il n'y a rien dans mon bingo, là. Il n'y a rien dans mon bingo. Hein. Crucie, banshee... Bah, déjà, c'est pas un fantôme. Ballon qui bouge, ok. Pour l'instant, il n'y a rien dans le bingo. Okay. Ah, pardon, tiens, Mike. Ok, donc il doit être par là. Il a déjà explosé les lumières dès le début. Pourquoi pas un petit cauchemar des familles. Là, j'ai pas ici. Je crois que j'ai le... Ouais, j'ai le placard ici, je crois. Yes. Ouverture de porte. Vite, vite, vite. Ouverture de porte. Porte du garage. Double ouverture de porte, d'ailleurs. Empreinte digitale. Interaction. Empreinte digitale, très très bon pour la game parfaite. Très 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 bon, ça. On sera peut-être toutes les autres games en cauchemar. Donc il est soit... En gros, il est soit garage, soit ici, quoi. Pas de MF5, a priori, pour l'instant.
Cauchemar du pauvre. Alors, malheureusement, le bingo, il y a des cartes que vous allez pouvoir jamais cocher parce que Cauchemar du pauvre, par exemple, c'est faire une partie en cauchemar sans les objets, sans acheter d'objets, tu vois. Mais comme je l'ai pas, moi, je vais pas le faire. Bref. Tac. Petite question, comment on sait que le fantôme a plus de 50 ans? Il suffit de lui demander à la Ouija ou à la Spirit. Tout simplement. Tout simplement. Ce qu'on va faire tout de suite. Je vous rappelle que le but, c'est que moi, je finisse le tarot. Le bingo, pas vous. Vous, c'est juste du bonus, comme ça, pour rigoler, tu vois. Si jamais vous avez bingo, des fois, je fais des giveaways, des trucs comme ça. Tu vois. Il a fait bouger ça. Putain. Ok, on n'a pas l'air d'avoir la glaciale. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ok, pour l'instant, on n'a rien. On va aller chercher la caméra. Le mastic a bougé, ouais. Comment tu vas, Nours, tu vas bien? Merci, Averno, pour ton follow. Peut-être sous la table à manger. On l'a trouvé, il était caché dans le cul de la bagnole. Alors. Vas-y, caméra avec un trépied, évidemment, indispensable trépied. Je sens que cette tier list va me suivre pendant un moment. Je le sens. Lumière rouge, c'est un événement paranormal. Oh! Que se passe-t-il? La porte? Il a touché la porte. UMF5! On l'a vu, on l'a vu, tu l'as vu. J'ai pas d'appareil photo, fuck. Ok. Tu touches pas mal les portes, Thierry. Hein. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ok, il a éteint la lumière dans la cuisine. On va regarder vite fait. On a l'air d'avoir d'orbe pour l'instant. On va mettre la caméra de ce côté. Non, non, l'appareil, il n'y a plus de photos dedans, vous inquiétez pas. Regarde. Ah non, il a allumé! Il a allumé ou éteint? Il a éteint. Il a éteint la lampe, on est d'accord. Ah, j'hésite. Il a allumé ou éteint, chat? Objet maudit, c'est le cercle. Ok. On va aller se poser l'écriture, on va regarder vite fait. On va regarder vite fait. Si on a les dots, vous me dites. Il a éteint la cuisine, ok. C'est dommage parce que tu vois, j'aurais bien dit cauchemar. Le fait qu'il explose les lampes, le fait qu'il éteigne la cuisine, malheureusement, ça ne peut pas être un cauchemar. Attendez, vous regardez les dots, moi je vais regarder le bouquin. On a le djinn, le goriot, l'obake. Donc il faut que je regarde l'obake. Ou le myling. Ok. Donc on va prendre ça et une lampe UV. S'il éteint l'interrupteur, du coup, il y a une empreinte sur l'interrupteur, oui. Donc il faut que j'aille la voir, ouais. Parce que si c'est un obaké, il y aura la double empreinte. Donc là, on n'a pas de double empreinte pour nous dire que c'est un obaké. D'ailleurs, ouais, j'aurais dû prendre un appareil photo, je suis un peu con. Je suis un peu con. Ouais, bah, je vais regarder, vous avez cru voir une orbe, je vais regarder. Pour l'instant, on n'a pas d'obac. Pas d'obac. Je vais vite chercher un appareil photo. Merde, il va m'enlever de la santé mentale. Non! Tu ne m'enlèves pas ma santé mentale. Ni ma liberté de penser. L'appareil photo est indispensable, bien sûr. Déjà 3 croix sur ton bingo? Putain, moi j'en ai aucune. J'en ai aucune, quoi, je suis deg. J'ai quoi? J'ai le crucifix, je crois. On va faire le crucifix aussi, tiens. Quand tu vas à Yorak, tu vas bien? Déjà 4 croix? Putain, mais vous avez de la chance, oh. Vous allez faire un bingo en une seule game. Porte, 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 porte. Porte, porte, porte. Ok, ok, on est bon. On va poser un petit crucifix sur la bagnole. On va regarder où c'est qu'on a une petite empreinte. Donc là, on avait une empreinte. Là, on a encore l'empreinte. Donc on va prendre la photo. Nice. On est pas mal là, on est pas mal. Là, je pense qu'on n'a plus l'empreinte depuis, ouais. Ok. Ok, ok. Donc toujours pas d'obac. Pour l'instant, je pense pas que ça soit un obacier. Goriot, on n'a pas vu les dots. Pff, en tout cas, il est chaud. Hein.
Il est chaud, chaud, chaud le lavabo. Ah oui, il fallait que je vérifie l'orbe. Il y en a qui disaient avoir vu une orbe. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Moi, je vois pas d'orbe. Il a coupé le courant. La réponse est oui. La réponse est oui. Bien joué. Il a coupé le courant. Donc c'est pas un djinn non plus. Pour moi c'est un myling, hein, du coup ce serait l'écriture. Oh, EMF5 encore. On a entendu le changement, la variation. Ok, il me manque deux photos. Il me manque deux photos pour avoir la game parfaite. Let's go baby. Si t'avais une orbe, ce serait un obaquet. Il est motivé le fantôme, ouais, il est motivé. J'ai placé ma caméra n'importe comment, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est la plus mauvaise caméra de l'histoire des caméras. Elle est vraiment pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. On va placer ça, on va placer un deuxième cruci, parce que je crois que j'ai le cruci, ouais, j'ai le cruci utilisé à 100% dans mon bingo à moi. Il a recoupé le courant. Ouais, il a recoupé le courant. Il a l'air de bien aimer la cuisine, hein. Il faut qu'on vérifie dans les... Il est chaud le bougre, dis donc, là. Tu vas te calmer, Thierry? Non, pas toi. Ok. On est pas mal. Ok, là, il chasse. Pouvoir prendre des photos après la chasse. Vitesse normale, donc là rien de bizarre. 1,6 mètre seconde. Putain. Oh l'enculé. Pardon, je suis désolé hein. Oh putain, tu t'es. Ah, j'ai même pas bougé la caméra, quel con. Oh, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, le bâtard. Oh putain. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Donc, c'est écriture, orbe. Il peut pas avoir de spirit. Il n'y a pas de glacial. Donc, c'est écriture, orbe ou d'autres. Certains ont vu l'orbe, donc peut-être que l'orbe est dans la cuisine. Faut qu'on vérifie. Je vais prendre des pilules. Ça a pas l'air d'être Myling, mais après le Myling, il était pas si loin de nous. C'est une petite map, tu vois. Le Myling, c'est difficile sur les petites maps. Comment tu vas, Bounoub? Salut, Dragoline. Bref, putain, il m'a mis en PLS. Je sais même plus ce que je dois faire. Je dois faire encore deux photos. Oui, voilà, c'est ça que je dois faire. Je dois faire deux photos. Let's go. Et regardez les orbes. Ouais, il y a des bruits en plus sur Phasmo. Il a recoupé. Ah non, il a pas coupé le courant. Attends pour moi. Si, il a recoupé le courant. Ok. On va poser ça là. D'ailleurs, il a même pas bouffé le... Il a même pas bouffé le cruciste, enculé. Oh, c'était quoi ce bruit? Ok, il a rien ouvert. Il a rien ouvert, le salaud. Merci, Simon. Il a pas écrit. Ah, vous avez peut-être raison, vous avez vu une orbe. Hein. Il va falloir que je check un peu mieux. Il a popé d'où d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Alors, regardons les orbes. C'est vrai qu'il nous fait pas mal d'interactions cuisine. Ah, ça, c'est pas gentil. Est-ce qu'il serait pas dans la cuisine, le petit bouc? Là, ok, il y a orbe. Vous aviez bien vu. C'est un obaquet, tu te rends compte qu'il nous a pas laissé. Il nous a pas laissé son empreinte une seule fois, quoi. Ouf, quand même. C'est ouf. Donne-nous un signe. Donc vous avez bien vu l'orbe, bien joué. Là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On n'a pas eu son empreinte une seule fois. C'est ouf quand même.
Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Balzefo, tu vois. Ouais, il était assez agressif, ouais. Vous avez vu le nombre d'événements qu'il a fait? Dès le début, en plus, hein. Salut à Talet, tu vois. GG en tout cas pour l'orbe. Moi j'avais cru que c'était un reflet du rétro avec ma lampe ou un truc comme ça, tu vois, j'étais pas sûr. Donc il a bien changé de salle, il est ici. Ça peut pas être un mimique. Allez, allez, juste, il nous manque une photo et je pense qu'on est bon. Donnez-nous un signe. Il l'a touché derrière. What? Ah mais non, mais c'est un obaké. Donc voilà, il a pas laissé d'empreinte. Merde, c'est quelle porte qu'il a touché là? Celle-là, ok. Interaction? Sale bâtard! Regardez, il nous met pas son empreinte 6 doigts, cet enculé! C'est un truc de ouf! Il nous l'a pas mis... Alors, normalement, on est bon. Il nous l'a pas mis une seule fois. Il nous l'a pas mis une seule fois. Merci, Tutis. Merci, Simon. Il a encore touché une porte. Regarde! C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En fait, j'ai eu une interaction parce qu'en fait, il avait touché la porte sans mettre d'empreinte. Mais c'était l'empreinte que j'avais avant. J'ai jamais vu ça, chat. J'ai jamais vu d'obaké. Enfin, si, en vrai, une fois. Toujours pas. Toujours pas d'empreinte 6 doigts. Oh, et c'est un truc de ouf. Ils ont changé l'obaké ou quoi? Il y a une partie de moi qui a envie de rester jusqu'à qu'on ait l'empreinte 6 doigts. Ça vous dit? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. La première orbe que vous avez vue dans le chat, vous l'avez vue dans le garage ou dans la petite salle déjà dès le début? Il a coupé son doigt, ouais. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Oui. Oui. Oh, oui. Putain, tu m'as fait peur avec ça, quoi. Merci beaucoup, Simon, pour les 346 bits. Donnez-nous un signe. Alors, Simon, tu dois avoir l'ancienne grille, hein. Parce qu'à la nouvelle grille, 346, il n'y a pas, je crois. Il n'a pas envie. Au pire, on se barre, hein. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas mis... Oh, joli le lancer là. Propre le lancer là. Il a pas mis de double empreinte sur l'interrupteur. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. C'est un truc de ouf. 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 Merci beaucoup, Titus. Tu m'as fait peur, le rythme cardiaque n'a pas bougé. Puisque ton rythme cardiaque ne bouge pas, Twin Star, quand tu sursautes. Ça, c'est une info chat. Et maintenant, il est ici. Donne-nous un signe. Non, mais il y a une partie de moi qui a envie quand même de, tu vois, d'avoir une empreinte. Bon, bah écoute, il a pas envie. C'est ouf, non mais c'est ouf quand même. Réfléchissez-y, 2 secondes, chat. C'est ouf. Attendez, attendez, je regarde mon bingo. Donc si j'ai le pognon maximum, j'ai la game parfaite qui est faite, l'alarme voiture, ah, je pourrais essayer d'avoir l'alarme voiture. Non. Le cruci, la boîte à musique, je peux essayer le cruci. Ah, je peux essayer le cruci, il est dans une petite pièce. Ah ouais, 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 attends, je vais essayer le cruci. Je vais essayer le cruci. Je vais prendre un encens. Je vais utiliser le... Comment t'appelles ça? Le cercle. Utilisez le cercle. Let's go. Et on va essayer de... D'ailleurs, je vais caler... Oh, je vais caler ça ici. Parce que là, dans cette petite pièce, là, c'est parfait pour le cruci. En espérant qu'il pop, évidemment, dans sa pièce. Ok. Alors, où est mon encens? Ici. Let's go, baby. Alors, comment lancer une chasse sans lancer une chasse maudite? Très simple. Vous allumez toutes les bougies sauf une. Puisqu'une bougie vous enlève 16% de santé mentale. On va se mettre là.
Et on va attendre qu'il nous chasse, en espérant qu'il nous chasse autour de ce truc. Là, Crucy, s'il le bouffe une deuxième fois, il faut qu'il soit bouffé à 100% le Crucy. Qu'il soit bouffé à 100%. Let's go baby, on est parti. Donc là, Crucy bouffé, c'est fait. Est-ce que je... Oh, non, je vais pas vérifier. Merci beaucoup Simon, merci Normand. Voilà, je crois qu'on est bon. Je regarde mon truc. Donc, le Crucy bouffé à 100%, on est bon. La game moins de 5 minutes, c'est mort. Là, j'ai essayé de faire la game parfaite. On va voir si elle est validée. L'alarme de la voiture, malheureusement, il a changé de salle. Et je crois pas avoir l'obaquet dans mon truc. Et ce serait potentiellement juste deux cases de cocher. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Sachant que dans le chat, il y en a 2-3. Je vous ai vu qui ont au moins 4-5 trucs de cocher. C'est pas ouf, c'est pas ouf, hein. Alors, est-ce que j'ai la game parfaite? Yes! Non, j'ai oublié un objectif, je suis trop con! Mais, en fait, je me suis focalisé sur l'argent. Je me suis focalisé sur l'argent, j'ai complètement oublié les objectifs. Mais t'as, mais je suis trop con! J'y avais même pas pensé. En fait, pour moi, en fait, je les avais déjà fait. Pour moi, je les avais déjà fait. Putain, mais je suis une bite. Oh, 107. Je suis à 107. Vas-y, let's go, baby. Bon, c'est pas grave. Au moins, et j'aurais fait le 100 BPM. Je sais pas pourquoi, chat, je me suis focalisé sur l'argent. Hein? Incroyable. Putain. Bon, bah voilà. Et un mal pour un bien, mesdames et messieurs. Bon, bah la game parfaite, ce sera pour plus tard. Donc, c'était bien un obaquet. Et cet obaquet nous a pas mis son empreinte à 6 doigts. Pendant 19 minutes, c'est un truc de ouf. On va accélérer un petit peu parce que là c'était trop long. Au niveau du bingo, j'ai une Blizzdale à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tenter la diagonale là ici, mesdames et messieurs, la diagonale. Donc il faudrait faire une high school. Donc tout de suite, mesdames et messieurs, une high school. Let's go baby, pas le temps de niaiser. Est-ce qu'on fait toutes les games en cauchemar, chat? J'hésite. C'est une rumeur ou c'est vrai les 33% de chance d'avoir l'empreinte spéciale? C'est pas 33, c'est 25 je crois, Plasma Guy. C'est pas une rumeur. Je crois que c'est 25. Mais ils l'ont peut-être changé. En fait, le truc avec Fasmo, c'est que des fois, ils changent sans nous le dire. Pour l'instant, on va rester en pro. Parce que à mon avis, ce bingo va me faire galérer. Et puis, on ira en cauchemar après, au pire. Ah non, mais je vais pas faire la game parfaite sur la... Non, non, ça vaut pas le coup. Faire la game parfaite sur l'école, ça vaut pas le coup. Okay. Dans les objectifs. Carla Wilson, ok. Alors, il faut survivre, évidemment, à l'école, hein, pour que ça soit comptabilisé. Si t'as le fantôme, t'as bingo, déjà? Putain, ça va vite. Allez, ce serait bien, un petit... Alors là, ce que j'aimerais bien... C'est avoir une game moins de 5 minutes où je trouve le fantôme. Ok, donc il serait potentiellement à l'étage. J'ai fait tomber des objets mais j'ai rien entendu au micro. Dommage. Dommage, dommage. On va remettre le courant quand même. Je vais commencer par l'étage. Parce que j'ai... Je sais pas. J'aurais peut-être capté un truc avec le micro. Si ça avait été au rez-de-chaussée. Le crucifix, il faut le laisser par terre ou en main. Les deux. Les deux, ça marche. Waxi. Tu peux l'avoir en main ou par terre. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah, 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 ah. Là, il est là. Il est là, 100%. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Là. Aïe, enfin, il est pas loin, quoi. Là, 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 là. J'ai combien, là? Là? Il est là. Ok, donc c'était la salle juste à côté. Je me suis trompé. Ok, donc il a l'air d'être là. On va tenter la photo. Interaction. Interaction. Ok. Ok, ok. Glacial. Ouh. Alors, je crois que la game, ça fait déjà plus...
Et si on avait eu le cri de la banshee dès le début, la game 5 minutes aurait été validée. Des bisous, Samsko. C'est gentil, Yorak, que je regarderai sur Twitter. Bon, je pense que la game 5 minutes, c'est mort. Est-ce que j'ai... Ouais, le tarot, c'est dommage. Je pense qu'on va juste faire la map et on va passer à autre chose. Tu vas bien, ça, moi? Ah, si vous avez pas compris comment un bingo fonctionne, je peux pas vous aider. Hein. Ouais, 5 minutes avec le micro, là, s'il nous avait balancé le cri de la banshee dès le début, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. En tout cas, ce bingo est mal barré pour être le plus rapide de l'histoire. Hein. Ah, bah, il fallait être là, Linou, hein. Lina, pardon. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre la spirit et la caméra. Oui, oui, oh, oui. Merci beaucoup, Matt, pour les 100 bits. S'il vous plaît. Je vais très bien, je vais très bien. Ah non, mais je vais pas trouver l'os. Hein. Je vais pas m'amuser à chercher l'os. Des bisous, Lentish. On se retrouve demain, du coup. Demain, premier épisode de la saison 24 de Ghost Adventure, mesdames et messieurs. Hein, la toute dernière saison. Hein. Demain, demain. Et je vous rappelle, évidemment, marathon sur cette chaîne. Le premier week-end du mois d'août, le 5 et le 6. Alors. Allez, petite orbe. Petite orbe, petit bibic. Plutôt chinois ou indien? Tu parles de quoi? La bouffe? Je sais pas. Orbe. Let's go. Let's go, baby. Oh! En tout revenant, ok. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où est... Ouh, c'est un vieux monsieur! Bah, c'est un bibi. Henrio. Il est où? Ah oh, putain, t'as pété les lampes, enfoiré! Non, c'est un Henrio, y a pas d'empreinte. Ça peut pas être un mimique. En français, la dernière saison de Ghost Adventure, je suis bloqué à la 17. Ouais, c'est normal. C'est normal, Mike. Bon, bah voilà, mesdames et messieurs, on a fini l'école. Des bisous, Olivier. Ça ne peut pas être un mimique. Non, là, ça fait pas moins de 5 minutes. Ça fait pas moins de 5 minutes, c'est pas possible. Je pense que là, il y en a au moins pour 7 minutes, je pense. Le temps de faire les allers-retours et tout, ça me paraît... Ouais, bah écoute, faudra attendre hein, en espérant qu'il vous le fasse en VF. Mais moi, je vous le traduis moi-même. Ça, y a pas d'empreinte. On a pris, regarde, 2 photos de porte, double interaction. Après, ça peut être un mimique qui s'est pris pour un obake, mais les chances sont tellement infimes que je préfère partir et tenter les 5 minutes. Donc c'était bien un Henrio. Donc l'école au niveau du bingo, mesdames et messieurs, est validée. Mais 5 minutes, je pense pas. Oh non! Oh non! Et pourquoi? 5 minutes 15! Fuck! Non, non, j'ai pas la mort. Non, j'ai pas la mort. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, 5 minutes 15. Bon, bah super. Tout de suite la tristesse. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va se faire? Faut qu'on fasse une Edgefield. Attendez, qu'est-ce qu'il manque? Alarme, game parfaite, boîte à musique. Je pense qu'on va se faire une Edgefield en espérant avoir la boîte à musique et une game parfaite. Eh, hey, on n'est pas si mal en vrai. Hein. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On va se faire une Edgefield. On va la faire en cauchemar pour un peu de piquant, si ça vous dit. Et puis, on est parti. Let's go, baby. Ah, oh, je suis deg. Les 15 secondes, ouais. Tout ça pour traverser le truc, quoi. Game moins de 5 minutes, ça veut dire avoir le bon fantôme? Non, pas du tout. En fait, tu peux lancer la map. Bah, bien sûr. Non, mais bien sûr. Réfléchissez. Okay. Let's go, baby. Alors, on est en coche. Est-ce qu'on a le tarot? On a le miroir. Ok. C'est où, ça? C'est ici? Merde, attends, je suis en train de me buy game tout seul, là.
Ah oui, c'est au niveau de la table. Ok, ok. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Où êtes-vous? Ok, il est au niveau de la table. Faut qu'on fasse gaffe, hein, parce qu'il peut attaquer très vite. J'ai le casier ici. On va fermer un peu la porte. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Putain, c'est pas le genre de signe que je voulais, ça. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ok, je vais rallumer le courant, je vais prendre des pilules. Merci beaucoup d'Anotable pour les bits. Holy shit. J'aimerais bien faire la game en moins de 5 minutes. Ok. On va essayer de se dépêcher un peu. Il a pas l'air très actif par rapport à l'Obaquet de tout à l'heure. Doudou, salut, première fois pour moi sur tes lives, continue, c'est très gentil Galéax, merci beaucoup. Merci énormément. Y'a pas le temps, il faut y aller. Bon, tu vas Nayar, salut JP Creeper. Je suis désolé hein, si j'oupe certains de vos messages. Je pense pas qu'on est à Glacial, donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Ok. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. J'ai peur. Ok, attends, il entend pas ma voix. Oh! Putain, tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Ok. Température, on n'a pas la glaciale. EMF, on va le mettre là. Ok, 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 ok. On est pas mal, on est pas mal. Je vais aller voir au garage si on a les casiers. Je m'en rappelle plus. On n'a pas les casiers. On peut plus les avoir vraiment en photo. Comment ça, Pex? Bah si, je l'ai en photo là. On va vite regarder ça et ça. Au début, je pensais à une ombre, mais on n'a pas la glaciale. Il nous a fait une. Il nous a fait un événement paranormal. Alors. Il a l'air d'avoir d'or, mais il faudrait que je regarde au camion. Il n'y a plus la grille du bingo? Si, si. Et tu peux la voir soit quand j'appuie sur un bouton, soit avec 200 points de chaîne, quelqu'un peut la mettre. Merci beaucoup, Dano. Allez, mets-nous les dots. Petit John Cena. C'était quoi cette orbe? Vous avez vu l'orbe? Est-ce que vous avez vu la vitesse de l'orbe? Fou, fou! Regarde, non mais regardez quand même! Un truc de ouf! Ok. Elle doit être super près de la caméra ou... Regarde! Tu la vois passer vite fait. Mais c'est un truc de malade. C'est Usain Bolt. Ok, orbe. Cauchemar Yokai Onryo. Ok, ok, ok. Il faut qu'on vérifie les empreintes. Cauchemar Yokai ou Onryo. Putain, les deux me cassent les couilles. Les deux là, j'aime pas. Les trois en fait, j'aime pas du tout. En cauchemar, c'est toujours chiant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Prendre un crucifix. Ouais, l'orbe a un truc de ouf. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Il vient de toucher là, non? C'est un mimique. C'est un mimique. Let's go. Let's go, baby. Ça fait moins de 5 minutes là, non? J'ai pas besoin de loge, j'ai pas le temps. Je vise la moins de 5 minutes. C'est un mimique, 3 preuves. C'est un mimique. Let's go baby, je crois que je suis à moins de 5 minutes. Je crois que je suis à moins de 5 minutes. 4,58. Donc c'est bien mimique. Let's go baby, let's go. Vas-y, je coche 5 minutes. Ok. Il n'y avait pas mimique, il n'y avait rien d'autre. Hein. Banshee. En vrai, on aurait pu avoir la lame de voiture, mais là, je pouvais pas prendre mon temps, tu vois. Et on a fait la Edgefield aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire la Blizzdale, il nous manquerait. La cage thoracique et le taillé serait pas mal. Je pense qu'on va se faire une Blizzdale. Et on va... Je sais pas ce qu'on va faire. Blizzdale, il y a moyen d'avoir la douche. Il y a deux salles de bain, je crois. Non, il n'y en a qu'une avec une douche.
Ok. Et puis en fait, il nous faut le tarot. Et puis après, on verra. Ok. Ou Grafton, tiens. On va faire Grafton. Je sens bien une petite Grafton boîte à musique là. Allez, petite Grafton boîte à musique. Let's go, baby. On va se faire ça, pardon, évidemment, en cauchemar. Let's go. Ouh, on est pas mal. On est pas mal. Let's go. Personne n'a eu bingo pour l'instant. C'est un truc de ouf, hein. Ok, la game 5 minutes, c'est fait. Allez, go. La Grafton, en vrai. Ça peut être pas déconnant de démarrer avec le micro parabolique. On peut tester. Vas-y, on teste. On teste. Il vous faut un Déogène, qu'est-ce qui vous manque? Rocking Chair, qu'est-ce que c'est Rocking Chair? Tu vas sur Google, tu tapes Rocking Chair. On n'a pas le tarot. Un Rocking Chair, bah c'est une chaise. C'est ça. Regarde, c'est ça. Oh, ça, c'est un Rocking Chair. Pas gentil ça. Donnez-nous un signe. Ok, on a le courant. On n'a pas la planque ici, malheureusement. Donnez-nous un signe. Comment tu vas, Détizi? Salut Echo, salut Xarel, Yumi. Pseudo imprononçable. Donnez-nous un signe. Ok, il est pas là. Oh, putain, ça va pas la tête. Donnez-nous un signe. Est-ce qu'on a la planque là-bas? Non. Fuck. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Ok, il n'a pas l'air d'être au rez-de-chaussée. Ah! Il est là? Il est dans l'entrée? Attends. Putain, j'avais jamais eu cette voix, c'est une banshee? Il est là, il est là. Il est là. Donnez-nous un signe. Ah, il est là? Ou il est là? Ah, il est là. Ok. Il est dans cette salle. Non? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ouais, je pense qu'il est dans cette. Non, il est là. Ok. Il a l'air d'être là. Est-ce qu'on a l'os qui traîne quelque part? Là. Oh merde, fais chier, c'est pas une cage thoracique, c'est dommage. Ok, let's go. Il n'y a pas de grenier sur la Grafton, c'est sur la Bizidelle le grenier. Moi je pense qu'il est dans le hall. J'irai voir vite fait la chambre des Twins, mais il a l'air d'être dans le hall. On va regarder avec le thermo. Ah bah Samoa, ça c'est la grande question. C'est chez toi, ouais. C'est chez toi, t'imagines? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. D'ailleurs, c'est quoi l'objet maudit? J'ai même pas fait gaffe. C'est pas la poupée, c'est le cercle encore? Donnez-nous un signe. Putain, ça va pas la tête. Où êtes-vous? C'est pas le cercle. Ah, c'est la Ouija! On a la Ouija. Vous êtes chaud, Sad, vous êtes chaud. On a le safe spot. Attends, il a coupé le courant. Ok, il a coupé le courant, c'est pas un djinn. Ok. Donnez-nous un signe. On n'a aucune planque. Putain. Il est casse-couille, hein. C'est pour ça que des fois je me tâte à jouer en cauchemar ou pas. J'ai l'impression que le fantôme est trop casse-couille en cauchemar. C'est normal qu'on ait un petit temps d'avance sur les screamers, comment c'est un ailleurs. Ah, qu'il y a un décalage entre moi qui sursaute et les screamers, j'imagine. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Oh, Playfree, t'as le bingo. T'as peut-être raison, hein. C'est peut-être la chambre des jumeaux. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Mais c'est quoi ce fantôme, sérieux là? Donnez-nous un signe. Il est ici? Où êtes-vous? Et il est là en fait. Il se balade ici quoi. Donnez-nous un signe. Ok.
Non, 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 il est pas là. Non plus. What? Il est en dessous? Non, mais attends, non, mais fais un effort, non, mais c'est clair, fais un effort, le fa... Holy shit, tu m'as tellement fait peur! Oh. Tu m'as tellement fait peur. Au même moment, quoi. Oh putain, j'étais pas prêt. Ouh, je sais que je capte le son à travers le sol, Jajunus. Il commence à être actif, ouais. Oh putain. En plus j'avais le micro, non? En plus j'avais le micro dans la main, je crois. Holy shit. Non, 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 oui, se fier au comportement, c'est complètement faux, hein. Enfin, non, 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 se fier au caractère du fantôme, pas au comportement. Alors, on va se prendre la spirit, se prendre ça. C'est un fantôme de Serpentard, ouais. Bien joué. Exactement, Balzefo, ouais. C'est pas parce qu'il est actif que c'est pas une ombre. Exactement. En vrai, j'arrive pas à dire hein, s'il est couloir ou s'il est dans la salle. Bon, bah, je crois que j'ai ma réponse. C'est un réveil. C'est pas une orbe, calmez-vous. Bon, bah, let's go. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Attends, il vient de... Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Putain, au moment où j'éteins la spirit, elle a explosé! Mais calmez-vous, putain, bande de bâtards! Holy shit! Hey, Tutis, t'as les timings ce soir. Hein. Je sais pas qui a envoyé, c'était Zombie qui a envoyé le ICU là. Oh, il m'a tellement fait peur ce con. Mise à jour, non, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de mise à jour, ça fait quoi, 3 semaines? 3-4 semaines? Oh putain, tu m'as fait peur. Tu m'as Merci tellement à fait tous, peur. je n'ai jamais douté. Merci beaucoup Cosmos pour ton 8e mois, merci énormément. Mais non, mais elle a pas explosé, c'est juste qu'il a balancé un screamer au moment où je l'éteins en fait. Tellement fait peur. Oh, il a bugué. On va le mettre là du coup. Alors, est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il a changé? Il a changé, il a changé. Ah, il a changé. Ok, let's go. Je vais vérifier le MF quand même assez vite. Oui! Oui! Oh oui! Le MF, il est où mon MF? Oui! Oui! Oi! Oh oui! Attends. Merde, mon... Ah, mais j'en ai pas pris, je crois. J'en ai pas pris. Ok, je vais bouger la caméra. Merci beaucoup pour les 116 et 100 bits. Merci énormément. On va mettre la caméra. On va la mettre. Comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Let's go. Ouais, j'ai pas pris, j'ai pas pris. Dans la porte, le MF. Ce Limido, c'est pour cet été, normalement. Et je sais pas exactement, tu vois, pour quand c'est. Mais normalement, c'est pour cet été, ouais. EMF, j'en avais pris un, mais je l'ai paumé, c'est pas grave. On n'a pas d'empreinte. On n'a pas d'orbe. Je vais regarder vite fait, quand même. Comme ça, on verra si on a les dots. Putain, vous êtes chaud, là. Tu m'as fait tellement mal. Bon, tu vas, Sanaya, tu vas bien? Salut Marco, salut Cosmos, salut HSD. Ok, pour l'instant, on n'a rien. On va continuer. Qu'est-ce que ça peut être? Moroi? C'est vrai que ça peut être un Moroi. On verra. On verra s'il nous chasse assez vite. On verra si sa vitesse aussi est différente. Moroi, je l'ai en plus dans mon bingo, le Moroi. Si vous regardez. Ça fait plaisir. Alors, ah, j'ai pris qu'un EMF, quel con.
Donnez-nous un signe. Bon bah voilà. Il a éteint le courant. Je vais aller chercher du matos. Putain. Tu l'as très tôt, comment ça? T'as déjà bingo? Ah, t'as bingo? Ah mais attention, j'ai oublié de vous le dire, mais quand quelqu'un a le bingo dans le chat, il faut changer de carte, hein, mesdames et messieurs. À la porte à côté. Ouais, mais c'est bon, j'en ai un autre. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ouais, petit coup de Ouija peut-être. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir... Qu'est-ce qu'on a? Yokai, spectre. On peut faire le test du spectre. Mimic, je vois pas d'orbe en vrai. Hein. Donc déjà, Mimic, je l'enlèverai. Mais bien joué, du coup, bien joué. Je vais aller remettre le courant. Et ce... Je sens qu'on va galérer. Hein. Je sens qu'on va galérer ce bingo chat. Le premier bingo que j'ai fait a duré 4 heures. Et toutes les games que j'ai eues... Et vous pouvez aller voir, il y a la VOD. Hein. Toutes les games que j'ai eues, il y a eu la spirit. No joke. 100% spirit. J'avais besoin... Il me manquait peut-être deux... Pour remplir un bingo, j'avais le choix entre deux fantômes. Aucun des deux avait la spirit. Toutes les games, j'avais la spirit. Merci beaucoup. Niquez-vous. Donnez-nous un signe. Niquez-vous. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Eh, hey, vous calmez là, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, il y a un train. Okay. Donnez-nous un signe. Fantôme Polter. Je vais faire un petit tas pour le Polter. Il vient de Attendez, il vient de rallumer cet enculé. Mon EMF, il est là. Check-moi ça, la rafale. Ok, donc je pense que c'est pas une ombre. Ah bah ça peut... Ouais, ça peut pas être une ombre. Attendez, je vais retester la spirit si c'est un déogène. Avant qu'il bouge, ce serait cool. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok. Merde. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh! T'as pas des chaussures qui traînent là, quelque chose? Là. Bien joué, Damso. Voilà. Ça, on verra s'il fait bouger des trucs. Là, on a le vert. J'avoue que le vert, il l'a pas lancé très loin. Donc, un polter, ça m'étonnerait un peu. Mais bon, on sait jamais. On va aller chercher la Ouija. Putain! Mais non, c'est pas la Ouija, je suis con. C'est la boîte à musique. Bah ben oui, parce que en fait, je croyais qu'on était sur la Blizzdale, mais la Grafton, la Ouija est là-bas. Donc en fait, on a la boîte à musique. Donc ça, c'est cool. Déjà, je peux cocher. Ça va nous permettre de faire la photo du fantôme. Je crois qu'on l'a pas. Hein. On l'a pas. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Ils sont sadiques. C'est ça qui est bon. Alors, on va poser... On va prendre la photo d'abord. Quand vous voulez que je joue, j'arrive pas à me concentrer, j'oublie la moitié des infos quoi. Putain, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Qu'est-ce que je voulais? Mon encens. Et let's go. Let's go, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon plan de faire ça en bas. Ouais, je réfléchis. On va faire ça en haut. On va faire ça en... Oh, on a vu les dots? Attendez, c'est un effet d'optique ou on a vu les dots? Donnez-nous un signe. Merci à tous, je n'ai jamais douté. Où êtes-vous? Ah, c'est un effet d'optique avec la lampe, peut-être. J'ai cru voir les dots. Je pense que c'est pas un yokai, il se serait vénère plus vite. J'arrête pas de parler en plus. Mais tu vas la prendre, oui?
J'ai cru les voir. J'ai cru les voir. Alors attends. On va poser ça. On va ouvrir la porte. Je vais allumer ici. C'est très dangereux la boîte à musique. On peut faire vite de la merde. Hein. C'est pour ça que je me mets là. On va essayer la photo. Ok. Vous êtes prêts? Let's go. C'est un fantôme. Easy game. C'est un fantôme. Easy game. Ouais, ouais. Je suis d'accord, rigole aussi. C'est un fantôme. Des bisous. Bon, bah voilà. Bingo! Eh non, il fallait redémarrer, madame. Quelqu'un a déjà eu le bingo. C'est pas grave. GG, Steph. GG à toi. Des bisous, Nitro. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Bon, le truc, c'est que moi, ça va être... Putain, il m'a fait peur! Pendant une chasse, enfoiré! Let's go, baby! 2000 bits! 2000 bits! Fantôme! 2000 bits! Merci énormément, zombie, pour les 2000 bits! Je sais même pas où il était. Putain! Alors, attends. Je crois pas qu'il y ait eu Rocking Chair. Merci énormément pour les 2000 bits. Merci Oumalou, merci Dano, merci Tutis. Je suis désolé, je vous remercie pas tous. Merci Matt, Simon. Merci énormément, ça fait grand plaisir. Les grenouilles, on les a pas souvent les grenouilles, mais ça fait plaisir. Au niveau du... Chumite, excusez-moi. Mais j'ai la Grafton, j'ai le fantôme, j'ai la boîte à musique, j'ai le bingo. J'ai le bingo, j'avais pas compris. C'est moi qui ai le bingo. Ouh, mais oui, Steph, j'avais pas compris. Je croyais que c'est toi qui avais le bingo. Putain, mesdames et messieurs, incroyable. Attendez, laissez-moi quitter. En une game. J'avais pas compris. C'est pour ça que t'as donné... Comment, pourquoi tu m'as mute d'ailleurs? J'ai pas compris.